Red Bull est condamné à payer 13 millions de dollars pour son slogan avec des ailes. On n'est pas dans la... Veuillez suivre les instructions qui vous sont données. Allez, il met du Red Bull dans l'avion pour qu'on s'amuse un peu. Comme ça, il aura des ailes en plus. Oh, fils de pute! L'avion est contaminé par Ebola! Le FBI va me péter la gueule et me défoncer la chatte! Oui, j'en ai un, tout juste à côté du... Vous croyez que je suis là pour dire l'emplacement de ma chatte? Alors, étage 2, c'est où? C'est ici. Vous avez choisi l'étage 666. Bravo! Maintenant, on va t'envoyer au 7ème ciel. Attends, je te passe quelqu'un parce que j'ai pas le temps. C'est qui? Le FBI? Venez me défoncer les chattes, alors! Viens me voir toute nue dans mon lit, fils de putain, avec ta petite quiquette! Allez, viens me voir avec ton petit couteau avec plein de sang et 500 litres de sperme! Allez, suce-moi mon couteau, s'il te plaît! Ah, on est dans le noir, mais je crois qu'on va pouvoir faire des trucs ensemble! Allez, dégage, grosse putain, avec 6 kilos de cul! Ouais, allô? Bon, là, il veut que tu participes à une partouze, mais qu'avec des violents! Mais pas comme les autres, attends! Il y en a un, il a été arrêté parce qu'il a demandé à sa bite de parler avec une girafe! Mais comment? En plastique, dans un qui jouait. Alors, viens, petit cochon. Et ça, c'est quoi? C'est une roue de la mort? Mais sans meuf. Putain, on est où, là? Tu te crois où? On est dans un manège, shit. Putain, il y a des godes en forme de canard en couleur. Attends. Je pense que ça serait mieux qu'ils enlèvent le slogan des ailes. Bon, les gars, j'ai une putain d'idée de merde. On va faire un slogan qui dit « On vous encule, bande de drogués naïfs qui croient à tout, même un Satan qui veut pécho avec des canettes de soda, qui ont de la taurine de testicules de taureau. » C'est vrai en plus. Ensuite, un mec a été retrouvé par la police sur les lieux du drame, mais cette fois-ci grâce à sa carte bancaire qu'il a perdue. J'accuse l'architecte qui a fait ce bâtiment. Voici les coulisses de la création du bâtiment. Putain, ça sent quoi là? Enfin bref, voici le 6ème plan de ma menuiserie. Alors, je vais ouvrir la lettre. Voilà. 800 kilos de sextoy envoyé. 666 rue des pervers dangereux. Je crois que mais attends. Mais putain, mais c'est qui m'a envoyé ça? Attends, où il est? Je vais le massacrer avec ma flèche Hardcore Edition. Allez, où il est? Dites-le moi. Après qu'il ait regardé 66 minutes sur M6, enfin, je crois, il tomba en enfer. Attends une seconde, je suis déjà en enfer. Alors, il y a quoi après l'enfer? Ah! Pendant ce temps-là, mais putain, je râle! Attends, il y a quelqu'un, putain! Bonjour, c'est le facteur. Vous êtes bien Monsieur Satan version Hardcore? Ah merde! Attends! Wow, t'as des meufs en petite culotte? Attends un peu, laisse-moi sortir des mouchoirs rouges et mon couteau que Satan m'a donné pour Noël 2006. Attends, j'ai pas fini, j'ai une épée que j'ai récupérée dans une forêt toute rouge et brûlante. Allez, viens, tu es très aimable en plus. Hein. Bon, vous m'excuserez, j'ai pas encore fait de révolution, mais ça arrivera un jour. Enfin bref, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, etc.